Sa deuxième vie commence maintenant. Thomas Cesalori était marin pendant 20 ans. Aujourd'hui, il est luthier, spécialisé dans les instruments à cordes pincées. Il a conservé son souci du détail et du travail bien fait. Je travaille comme si l'instrument était précieux. Quelle que soit sa valeur en fait. Et comme si c'était le mien et qu'il était important qu'il soit en bon état. Loin du bruit et du tumulte de sa vie d'avant, Thomas a suivi son rêve. Et pour y arriver, il faut beaucoup de patience, de la précision et des outils manuels. Seul dans son petit atelier, Thomas fait le choix de travailler le bois sans machine électrique et prend le temps de peaufiner chaque instrument. Je pense que tout ce qui doit être fait mérite qu'on prenne du temps pour le faire. Et ça me permet de ressentir la matière, de me sentir plus proche de la pièce que je travaille et d'avoir une certaine finesse dans l'exécution du travail. Son nouveau métier, il le présente comme l'art d'accorder une guitare à son musicien, avec comme fierté le moment où ce dernier redécouvre son instrument sous un nouveau jour. Je suis un homme de l'ombre en fait. Je joue pas la musique. J'aide à ce qu'elle soit à jouer, voilà, sans contrainte, par quelqu'un qui a une sensibilité. Prochaine étape, passer son brevet des métiers d'art d'ici 2 ans. Et pourquoi pas un jour fabriquer ses propres basses ou ukulélés au calme et sur la terre ferme.